Qu'est-ce que c'était d'être une femme noire dans les années 50 jusqu'en 60? C'était la personne exotique, qui est le fun, qui est différente, qui est amusante. Joanne avait une allure vraiment remarquable. Il n'y avait aucun mannequin noir dans le groupe qui présentait les collections. Elle était la première, la seule, et elle est restée la seule pendant des années. Dans l'histoire du Québec, la cinématographie, elle s'insérait dans un moment au début. Joanne, c'était le personnage à tout prendre. Les journaux ont parlé beaucoup du film et d'elle. Joanne, qui aimait les fêtes, elle passait un temps fou à préparer des repas pour des amis. C'est une des personnes qui faisait les plus beaux dîners. C'était prestigieux, c'est le rêve. Do you think single women should take mother? There's nothing wrong about having a mother. And when a woman is enough, she's beautiful and she would please everybody and looks at her. Quand j'ai appris que j'étais enceinte de 3 mois, j'étais tellement inconsciente et ignorante des problèmes que son arrivée me causerait. Val, Dieu sait combien de fois tu as dû attendre, espérer l'arrivée de sa mère qui l'a délaissée. Maman, je veux tout savoir de toi. Ta vie passée, quand tu étais petite fille. Raconte. Joanne, ce que j'ai découvert, c'était une orpheline abandonnée, reniée par sa mère, abaissée chez les sœurs. Après toutes ces années, l'enfant dans elle était resté. C'est une femme avec une histoire multiple, un bagage multiple. C'est difficile de la mettre dans une case. Je pense que c'est malheureux que son histoire soit oubliée parce que c'est quand même quelque chose.